Réveille-toi, toi qui dors. Ce n'est plus le temps de dormir. C'est ça que nous chantons. Vraiment, c'est une chanson très capitale pour ces derniers temps. Voilà pourquoi nous les chantons. Nous n'avons pas oublié, avec Jésus, nous allons y arriver, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. Avec Jésus, nous devons y arriver. Et voilà pourquoi nous allons passer un bon moment devant notre Dieu. Et la Bible dit, avant toutes choses, nous devons prier avant de commencer. Nous allons prier au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés. Nous voulons parler de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit, de ta force, de ton intelligence, de ta sagesse, afin que nous arrivions à quelque chose. Voilà pourquoi nous voulons que tu sois au centre. Tu restes élevé. Quand tu es élevé, nous on réussit. Nous t'invoquons, nous t'appelons. Viens au secours de nos prières. Viens au secours de notre prédication. Sois élevé. Quand tu es élevé, les gens vont comprendre des choses. Voilà pourquoi nous te laissons ces moments. Saint-Esprit, c'est ton temps de ministère. C'est ton temps d'y agir. Apporte la vision, apporte la connaissance, apporte l'intelligence et la sagesse. Je te confie tout ton peuple afin de les instruire, afin de donner la parole qui sera au temps convenable. Nous voulons que ton règne règne parmi nous. Si tu règnes, nous allons réussir. Pardonne-nous encore si nous avons fauté. Pardonne encore. Le péché nous empêche d'y arriver. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas sauter cette étape. Pardonnez-nous, Jésus. Pardonnez-nous, Seigneur. La Bible dit, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nous voulons y arriver avec toi. Pardonnez nos péchés. Pardonnez mes bien-aimés, tes serviteurs, tes servantes. Nous voulons arriver avec toi. Car nous venons menacer tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus, de sortir loin de nous. Nous venons menacer tout ce qui est de l'ennemi. Nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Tout esprit d'incompréhension. Nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Tout esprit de malentendu. Nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Tout esprit de fatigue, de somnolence, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes, que tu nous permets de parler. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Merci, merci Seigneur, merci. Et aujourd'hui, Dieu nous amène toujours dans le, il veut nous fortifier, nous encourager, dans le décourage, dans l'encouragement. Parce que Dieu sait que ces derniers temps, beaucoup sont fatigués avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on voit. Même les gens ne sont pas tranquilles pour aller en vacances. Les gens ont peur. Les gens sont démoralisés. Les gens sont fatigués. Les gens sont désespérés. Et voilà pourquoi nous apportons la parole. La parole édifie. La parole nous encourage. La parole nous remet debout. La parole, c'est une lampe à nos pieds. C'est une lumière à nos sentiers. La parole. Voilà pourquoi nous parlons. Christ nous a laissé la parole. La parole, c'est une prophétie par excellence. Et voilà pourquoi nous parlons de la peur. La peur peut nous apporter dans l'apostasie. Nous ne devons pas oublier, nous sommes dans les temps d'apostasie. Oui, les temps d'apostasie est là. Avant, quand on passait, on voyait un peu beaucoup de gens qui s'intéressaient avec tout ce que nous faisions. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Alléluia. Parce que les gens sont fatigués.
sont démoralisés. Et voilà pourquoi nous avons pris l'exemple de Pierre. Autrefois, quand on a arrêté son maître, Jésus-Christ, et Pierre était démoralisé, Pierre était découragé, Pierre était fatigué, Pierre a renié Christ à cause de la paix. Parce que pour lui, il a vu que c'était la fin de toutes choses. Il croyait tellement, il espérait tellement à son maître. Mais on l'arrête son maître et on chicote son maître devant ses yeux. Il voyait que c'était Dieu. Mais comment on peut tuer ce Dieu? Comment on peut arrêter ce Dieu? Comment on peut la chosifier? Pierre a vu ça. Il était découragé. Pierre n'avait plus l'espoir. Or, Jésus savait, lui qui était le prophète, il savait. Et c'est pourquoi à Jean 21, il conversait avec Pierre. Il lui dit une seconde fois. Jésus dit à Pierre, alléluia. Ici, Pierre a la conversion avec Jésus. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Pierre savait qu'il donnait sa vie pour Christ. Il savait que c'était son maître. Pour lui, il ne pensait pas à une séparation brisquée. Il n'était au courant de rien. Et Jésus, qui était le prophète, lui dit, Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et Pierre ne comprenait rien. Il ne savait pas de quoi ce que Jésus lui disait. Parce que Pierre ne voyait pas comme Christ. Et c'est pourquoi il ne pourrait pas comprendre. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité. Toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Pierre, ne croyez pas à ça. Nous devons faire très attention. Jésus voulait nous enseigner à toutes ces choses-là. Il savait le coq qui peut nous symboliser le problème, l'angoisse, la peur. Jésus savait, quand il y aura la peur, tu me réuniras. Quand ça va chauffer Pierre, tu me réuniras. Quand tu auras des problèmes, tu abandonneras ces choses, tu vas abandonner. Jésus savait, c'est pourquoi il disait à Pierre, je te l'ai dit en vérité, à Marc 14, 30. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me renieras trois fois. Jésus disait à Pierre, c'était une conversation. Alléluia. Nous sommes dans les profondeurs là. Ouvre seulement les yeux et les suis. Tu vas comprendre ces choses. On est dans ces temps d'apostasie, l'abandon des foi. Tout devient Dieu. Avec le problème de corona, ça a touché beaucoup de gens, spirituellement, psychologiquement. Avec la santé, les gens sont démoralisés. Et voilà pourquoi Jésus dit, aujourd'hui même cette nuit, avant que les coqs chantent, avant que ça soit trop tard, tu me réuniras. Jésus savait que les gens vont se transformer. Comme il disait à la femme veuve avec le juge unique. Est-ce que quand viendrai-je trouverai les gens de la foi sur cette terre? Jésus savait. Les gens, ils sont fatigués. Les gens, maintenant, ils ont la raison de s'excuser par le corona. Nous ne pourrons pas venir à l'église. Parce qu'il y a les corona. Les gens sont démoralisés. Les gens n'ont plus
La force est pour prier. C'était le cas de Pierre. Pierre a eu des problèmes sérieux. Voilà pourquoi nous devons prendre que ces exemples. Parce que eux, ils l'ont vécu. Pour que nous, ça nous sert de leçon. Pierre a reçu ces choses, a vécu ça. Il avait des problèmes sérieux à cette époque-là. Pierre a dû renouer Christ. Pierre avait l'identité de Christ. Pierre marchait, dormait, mangeait avec Christ. Pas comme nous. Nous, c'est la foi. Nous vivons par la foi. Des choses qu'on a entendues. Mais Pierre, ce n'était pas le cas. Pierre dormait, mangeait. Faisait tout ensemble avec Christ. Pierre, c'était le disciple que Jésus aimait. Pierre a eu des problèmes sérieux dans sa vie. Et son maître devait avoir des problèmes sérieux. Pierre était étonné. Pour lui, le Christ était Dieu. Dieu éternité, éternel. Mais il était étonné de tout ce qui est arrivé en Jésus. Ça doit nous servir de leçon. Christ savait qu'après ici, il y avait une vie. Christ savait que Pierre avait encore cette... Il avait encore cette grâce, cette faveur de parler encore de lui. Le Seigneur savait. Et voilà pourquoi il les a suppliés. Lui qui était Dieu, il avait compris que je dois faire quelque chose. Moi, je vais préparer une place pour vous. Ayez la force. Et voilà pourquoi quand on lui a enterré, il est ressuscité, il est à Paris, à ses apôtres. Pour leur édifier, pour leur redonner la force, pour leur témoigner que ces choses que vous avez vues, c'était rien. Il y a encore des plus grands qui vont venir. Et le Seigneur Jésus savait que Pierre, tu ne peux pas aller nulle part. Tu dois rester en bas de la croix pour chercher le réconfort. Quand il y a les problèmes, nous devons rester en bas de la croix, pour chercher le réconfort. Les apôtres ont demeuré à la chambre haute. Ils avaient peur. Même pendant la résurrection, c'était Marie de Madeleine qui a vécu la résurrection de Christ. Parce que les apôtres avaient peur. Ils étaient enfermés dans la chambre, dans la maison. Les apôtres que les disciples que Jésus aimait, ils étaient enfermés. Et voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Nous qui prétendons être chrétiens. Ici, Pierre dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, à Jean 13, 37, le Seigneur dit à Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Pierre ne pensait pas à renouer Christ. Pierre ne pensait pas. Alléluia. C'était plus fort que lui quand il a renoué Christ. Il rêvait, mais c'était la vérité. Nous parlons ces choses pour nous réveiller. À chaque fois, nous abandonnons, nous réunions Christ. À chaque fois, nous arrêtons, nous ne sommes plus zélés et nous ne prions plus, nous abandonnons Christ. C'était le cas des apôtres. Les apôtres ont eu la peur. Ils ont fui, ils sont allés se cacher dans une maison. Parce qu'ils voulaient sauver leur peau. Or, la Bible dit, celui qui veut sauver sa peau la perdra. Et Paul, c'était plus fort que Paul.
C'était plus fort que Pierre. Pierre est allé se cacher. Il a dit, je ne connais pas ce monsieur. Jean 21, 16. Il lui dit, une seconde fois, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus préparait, il préparait son gouvernement. Lui qui est venu préparer un gouvernement, établir un gouvernement. Il savait, il préparait Pierre, il préparait ses disciples et que nous suivons l'exemple. Même si, paie mes brebis. Et lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, même si Pierre, Pierre attristé de ce qu'il lui demandait, pour la troisième fois, il ne savait pas de quoi ce que le Seigneur voulait lui expliquer. Même si, il lui répond, Seigneur, sais-tu, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Nous devons nous lever. C'est le temps de rester dans la chambre haute. Après cette épreuve, la Bible nous dit, Pierre était dans la chambre haute. Là où Christ l'avait conseillé d'aller attendre. Là où Christ l'avait envoyé. Quand il y a trop de problèmes qui se passent, nous avons besoin de la chambre haute. C'est le temps de prier. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de chercher la présence de Dieu. C'est le temps de chercher le soutien de Dieu. Sinon, nous ne pourrons pas y arriver. Pierre n'était pas affermi. Voilà pourquoi Jésus lui dira, quand il sera affermi, quand il sera affermi, Pierre. Pierre n'était pas affermi. C'est le temps que nous devons rentrer encore dans les profondeurs pour être affermi, pour comprendre ces choses, pour grandir, pour être rempli du Saint-Esprit. Pierre n'avait pas le Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi il avait peur. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas peur. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a affronté la mort. Ça ne lui a rien dit. Ça ne lui a pas fait peur. Toi qui es chrétien, tu dois t'attacher à des choses saintes. Tu dois rester à la présence de Dieu. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois comprendre qu'est-ce que la Bible dit pour ne pas renier Christ. La Bible nous dit, quand vous verrez toutes ces choses, ça sera que le commencement d'une douleur. Nous devons faire très très attention. Nous devons demeurer en bas de la croix pour bannir la peur, la crainte n'est pas notre partage. Christ nous a laissé un esprit de réveil, un esprit de puissance que nous avons reçu, pas un esprit de peur. Voilà pourquoi Jésus savait, il disait à Pierre, quand tu seras affermi, Pierre. Pierre croyait qu'à ce temps-là, il pourrait aller délivrer Christ. Il n'avait pas les droits. Il n'avait pas ses capacités. Il ne pourrait pas aller à la rencontre de la volonté de Dieu. Pierre était incapable. Il a renoué Christ 3 fois. Pierre le renoua de nouveau. Aussitôt le coq chanta. Alléluia. Aussitôt le coq chanta. Avant que nous arrivions au plus grand malheur, je suis sûr, nous allons renouer Christ. Nous devons faire attention. Avant que le coq chanta,
Nous devons faire très attention. Car le corona n'était qu'un début. Des démonstrations qu'on nous a montrées, ça viendra pire. Et voilà pourquoi Jésus savait, avant que le pire vienne, nous allons réunir Christ. Et voilà pourquoi il savait aussi comment ça va se passer la mort de Pierre. Et c'est pourquoi tous les disciples ont été décapités. Ils ont été tués, tous les disciples de Jésus. C'est pourquoi Christ savait, il les a suppliés d'aller dans la chambre haute pour revêtir un nouveau corps, pour revêtir une nouvelle esprit, un nouveau esprit, une nouvelle esprit. Alléluia! Voilà pourquoi nous devons demeurer pour ne pas renouer Christ. Bientôt Christ revient. Bientôt il y aura la peace. Bientôt il y aura la marque. Personne ne pourrait acheter et vendre. Non, nous devons faire très attention. Quand Christ viendra pour chercher son église, tu dois être bien préparé d'être là ce jour. Nous devons être prêts. Si nous voulons arriver en ce jour, nous devons demeurer dans la chambre haute. Nous devons demeurer dans les choses de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on attend. Que tes oreilles doivent attendre toujours les choses de Dieu. Nous ne devons pas abandonner. Abandonner nos assemblées, abandonner nos pasteurs, abandonner nos sœurs, nos frères, non. La Bible dit, là où les frères demeurent ensemble, c'est là où l'Éternel déverse ses bénédictions. Nous devons demeurer comme si rien n'était. Voilà pourquoi un jour, le Seigneur Jésus discutait avec Nicodème de ce qu'un homme doit être né de nouveau pour hériter le royaume de Dieu. Nicodème ne comprenait pas. C'était trop fort ce langage pour lui. Mais Christ lui dit, si tu n'as pas revêti un corps nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons revêtir l'homme nouveau qui en demeura dans la chambre haute. La prière te fait avancer. La prière t'enlève la peur. La prière te remplit de l'onction. La prière qui est bien faite. La prière qui n'accompagne pas avec le péché. La prière que la Bible nous demande. Priez sans cesse, selon la volonté de notre Dieu, de revêtir un corps nouveau. La Bible dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons nous préparer tout ce qui est futilité de mettre à côté. Nous devons nous préparer afin que Christ vienne nous chercher. Nous devons être parmi les cinq sages. Pierre a renoué Christ. Pierre se souvient. Ici, Jean 18, 27. Pierre le renoua de nouveau, aussitôt les coqs chantant. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dit. Avant que les coqs chantent, tu me renoueras trois fois. Nous devons faire très très attention. Voilà pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu ont cédé. Il y a des hommes de Dieu qui vont aller acheter les puissances, qui vont aller acheter les pouvoirs. Or, en Jésus, nous avons tout. Parce que nous ne voulons pas demeurer. Parce que nous avons sorti. Nous sommes allés loin de Christ. Parce que nous ne faisons plus sa volonté. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit s'est éteint. Parce que le Saint-Esprit s'est éteint. La Bible dit, ne teniez pas le Saint-Esprit. Ne l'attristez pas. Or, ça peut s'éteindre que par les distractions ou par manque de la persévérance et par manque de la foi.
que Christ n'agit pas. Je dois aller chercher, même pour peu de temps. Nous devons rester fondés sur les rocs, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aussitôt, les coqs chanta. Pierre ne s'attendait pas à ça. Nous allons être surpris. Christ est là et nous nous retrouvons parmi les cinq folles. Les gens qui étaient surpris là, dans le corona, ils n'ont pas cru. Hein. Dans le temps de Noé, c'était la même chose. Il n'y a qu'une personne, une famille. Et la Bible dit, ça va se faire pareillement. Comme dans le temps de Noé et comme dans le temps de Lot à Sodome et Gomorre. Nous devons faire très très attention. Or, la Bible dit, c'est lui qui veut sauver sa peau, la perdra. Oui, moi, je ne vais pas à l'église parce qu'il y a le corona. Mais comment la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs. C'est la Bible qui dit, parce qu'au travail, nous allons travailler. Nous allons faire nos courses. Nous montons dans les trams, dans les métros, partout. Nous pouvons attraper le corona. Et on dirait qu'il y a une malédiction qui est tombée dans les églises. Et le corona attend tout le monde dans les églises. Nous devons faire très très attention. Nous ne pourrons pas mentir Dieu. La Bible dit, c'est lui qui a dit qu'il n'a pas péché. Il est menteur. Nous ne devons pas être des menteurs devant Dieu. Nous ne devons pas être des menteurs. Dieu voit tout ce que nous pourrons faire. Or, la Bible dit, si quelqu'un a péché, qu'il se répand. Nous devons nous repentir, c'est le temps de repentance. De chercher Dieu. Le temps de chercher Dieu. La Bible dit, si le problème vient et que ça ne trouve pas là où s'installer, n'aura pas les effets sur toi. Voilà pourquoi nous devons abandonner tout ce qui est futilité. Si nous avons péché, nous devons nous revenir en bas de la croix. Comme il nous dit à 2 Chroniques 7:14, si mon peuple, c'est qui a invoqué mon nom, si il me prie et cherche ma face, s'il se détourne de leur mauvaise voie, moi l'Éternel, moi, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc là, il va même plus loin. C'est-à-dire, c'est là où on voit celui qui prie, celui qui croit, sera sauvé, lui et sa famille. Nous le voyons ici à 2 Chroniques 7:14. Donc je guérirai même son pays, pas que toi, même son pays. Donc c'est à cause de toi, l'Éternel peut épargner la peste dans ton pays ou dans ta famille. Nous devons faire très attention. Les chrétiens sont très hypocrites. Les chrétiens, c'est des hypocrites. Vous allez voir quelqu'un qui prie. Il ne va pas en boîte, il ne boit pas l'alcool, il ne va pas dans des cafés. Mais, il a des mauvais comportements, des mauvais. La Bible dit, tout ce qui rentre ne tue pas, mais ce qui sort de nos bouches. Voilà pourquoi Jacques nous parle de la langue. La langue, c'est un petit instrument, mais qui fait des dégâts. Nous devons faire très attention. Tu es chrétien, tu ne t'attends jamais avec ta famille. Tu ne t'attends jamais avec les gens de ton quartier. Tu ne t'attends jamais avec tes voisins lui-même. Tu ne t'attends jamais avec tes beaux-parents. Nous devons faire très attention. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une identité. C'est quelqu'un qui a un nouveau habit. C'est quelqu'un qui est devenu une nouvelle créature, un chrétien. C'est quelqu'un qui ne vit pas comme avant. Comme l'apôtre Paul nous dit,
Tout est devenu nouvelle quand on parle des chrétiens. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous promettait que vous allez souffrir. Celui qui veut me suivre, qu'il n'a qu'à porter sa croix. Parce que le Seigneur Jésus savait que ce n'était pas facile ces choses que nous nous suivons. Nous allons être surpris au dernier temps. Christ va nous envoyer balader. Je ne vous ai jamais connu. Nous devons faire très très attention. Bientôt Jésus revient. Les choses vont revenir dures. Nous devons être préparés pour ça. Être trop spirituel. La Bible dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Il faut être né de nouveau. Être né de nouveau, il y a beaucoup de travail à faire. Et il y a beaucoup même qui cherchent Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau. Pierre, allez faire des... Allez aussi évangéliser, allez aussi des missions. Parce que Jésus les a envoyés deux par deux. Mais Pierre n'était pas capable de faire quelque chose. Et voilà pourquoi tous ceux qui servent Dieu ne sont pas à la hauteur. Nous devons rentrer en nous comme autrefois le fils prodigue. La Bible dit quand il est rentré en lui, il a trouvé le péché en lui. Il est retourné. Nous devons faire très très attention. Bientôt Jésus revient. Pierre ne croyait pas qu'il pourrait renouer son Jésus, son ami, son frère. Pierre était surpris. Il a renoué Christ. Nous devons faire très attention. En ces jours, le Seigneur nous dira, je t'ai jamais connu. Nous devons faire très très attention. C'est triste. Jésus lui dit, je te le dis en vérité. Toi aujourd'hui, cette nuit, tu me renoueras. Et voilà pourquoi quand je prêchais le 31 à la veille, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. L'année 2020 va être tellement longue. Nous devons s'attacher à Dieu. Car 2020, il y aura 366 jours et il y aura 12 mois. Ça va être long. Oh, c'est le Saint-Esprit qui me parlait. Nous devons nous accrocher à Dieu. Ça va être une année très dure. Sans Jésus, nous allons nous crouler. Et voilà pourquoi nous, Église, nous devons nous préparer. Nous devons rester fondés sur le roc qui est Jésus-Christ. Nous devons jeter nos yeux vers le serpent des reins afin d'y arriver. Pierre renoua Christ. C'était trop compliqué pour lui. Il a dit, jamais, jamais, je donnerai ma vie pour toi. Christ ne dit jamais. Tu ne peux pas le faire en parole, Pierre. Mais c'est des choses qu'on ne fait pas en parole. Qu'on ne fait pas parce qu'on a imaginé. Qu'on ne fait pas parce qu'on a cru. Mais c'est des choses qui se préparent dans la prière. Même lui-même, le Seigneur, il savait qu'il y aura un moment dur pour lui. Il est allé le préparer à la montagne, au jardin de Gethsémani. Il était là pour prier. Il a tellement prié, la Bible dit, même son sueur est devenu le sang. Parce qu'il a tellement prié, lui qui était Dieu. J'appelle le chrétien à la prière. L'Église prépare le jour de prière. Prier dans la ligne, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La Bible dit, là où deux ou trois ensemble à mon nom, je suis là pour agir. Voilà pourquoi nous devons nous réunir comme un seul corps pour faire des choses étonnantes. Afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent que la venue du Seigneur ici-bas n'était pas en vain.
Il est venu vraiment préparer une armée solide. Nous devons être une armée solide. Nous ne devons pas avoir peur que le corona. Le corona ne fait rien. Tous les gens que moi j'ai connus, mon entourage, on a eu le corona. Nous tous, on a eu le corona ici. Quand la mort vient, il reste que la volonté de Christ. Si Christ permet, ça te touche. S'il ne permet pas, ça te prend. Alléluia. Nous devons enlever la peur, demeurer en Christ pour être sauvés. Nous devons enlever les distractions. Le temps est mauvais. 2020, on est encore là, on est en juillet. La fin est encore loin, on ne sait pas. Quelle surprise qu'on nous garde encore. 1 Samuel 16:7 nous dit, et Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Donc Saoul, lui, croyait qu'il était déjà avec Dieu. Mais Dieu dit, ne prends point garde à lui, je l'ai rejeté. Éternel ne considère pas tout ce que l'homme considère. Nous voyons que oui, il est chrétien. Oui, c'est un serviteur de Dieu. Oui, c'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu. Mais après, quand il a un problème sérieux, et après, nous commençons à critiquer Dieu. Oui, il priait. Oui, il priait. Mais nous ne pourrons pas mentir à Dieu. Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Quand tu penses de mauvaises choses dans ton cœur là, Dieu te voit. Le péché, ce n'est pas aller en boîte hein, ou fumer ou boire la boisson. Peut-être quelqu'un qui boit la boisson. Peut-être lui, il a une malédiction de sa famille, c'est tout. Mais ce qui est là dans ton cœur là, ce que tu penses là, les injustices que tu fais. Tu as des enfants à la maison, tes enfants et les enfants de ton mari. Tu n'aimes pas les enfants de ton mari. Tu n'aimes pas la famille de ton mari. Tu n'aimes pas la famille de ta femme. Tu aimes des gens pour un profit. Dieu les voit. Et quand il y a la peste, ça va te toucher. Voilà pourquoi nous devons nous convertir. La vraie conversion, de nous détourner de tout ce qui est utile, futilité. Nous devons nous détourner du mal pour être sauvés. L'Éternel ici dit, l'homme considère tout ce qui frappe, mais moi, je ne considère pas tout ce qui frappe. Arrête avec cet homme-là. Je l'ai déjà rejeté. Et nous avons beaucoup de Saoul dans le corps de Christ. Tout le monde prétend qu'ils sont chrétiens. Tout le monde ne sont pas chrétiens. Même les juifs, quand ils persécutaient Jésus, et ils croyaient que c'était un des chrétiens. Ils croyaient que c'était un qui avait Dieu. Les pharisiens, les gens qui étaient orgueilleux là, ils croyaient qu'ils avaient Dieu. Ce n'était pas le cas. Nous devons faire très très attention. Rentrer à nous. Nous examiner. Afin que le jour Christ revient, nous soyons avec lui. Même pas être avec lui. Pendant que nous vivions, s'il y a la peste qui nous arrive, que nous soyons épargnés par Dieu. Seul Dieu qui peut t'épargner du malheur. L'homme ne peut pas se sauver tout seul. Nous devons faire très très attention. Pierre était surpris. Avant que le coq a chanté, il avait déjà renoué Christ. Et voilà pourquoi Christ demanda, quand viendrai-je trouver les gens de la foi sur la terre? Il pleure là. Il est allé préparer une place pour venir chercher son épouse. Nous devons
nous préparer avec toutes les persécutions qui vont arriver. Nous devons nous préparer. La Bible dit à 1 Chronique 8, 1 Chronique 28 et 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Bien disposé. Car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins. Tous les desseins et toutes les pensées. On ne peut pas mentir à Dieu. Psaume 139 dit, même quand tu es en dessous de l'eau, lui te voit partout où tu seras. Lui te voit. Tu n'as pas à te cacher quelque part. Nous devons avoir une bonne repentance. Dieu dit, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, la repentance, c'est une clé des ouvertures des portes. La repentance, c'est une clé de la bénédiction. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Tu dois rentrer en toi. Quand tu as la paix, tu dois prier. Roi David, c'était l'homme qui était selon le cœur de Dieu. Il connaissait comment supplier son Dieu. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et il va effacer la peine de mon péché. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas faire semblant devant notre Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas. Nous devons faire très très attention. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Nous devons revenir comme des enfants. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux enfants. Jean 21, 18, il nous dit, oui, je te l'ai dit, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Donc, avant que tu sois affermi, tu étais libre de mettre la ceinture que tu voulais. Tes habitudes, tes comportements, tes savoirs, tu étais libre de faire tout ce que tu voulais. La Bible dit quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Donc quand tu deviens vieux, tout le monde peut te prendre pour t'amener quelque part parce que tu n'as plus de force. C'est ça un chrétien. Oui, je te l'ai dit, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Un autre te mettra ta ceinture. C'est le Saint-Esprit qui te mettra un nouveau habit. Et il te conduira là où tu ne veux pas. Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit n'a plus sa vie. Non, n'a plus sa vie. Il est conduit de quelque chose. Il a l'obligation de faire des choses de la volonté de son maître. Car un disciple, c'est quelqu'un qui fait comme son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent. La peur, même quand les disciples avaient peur, ils n'étaient pas convertis. Ils étaient avec le Seigneur. Ils ne voyaient pas que c'était le Seigneur, c'était Dieu avec eux. Ils ne les voyaient pas.
Ils n'avaient pas les yeux pour voir. Et c'est pourquoi ils avaient peur. Pendant le courant d'air, pendant la tempête, en pleine mer, les disciples ont eu peur. Christ les a traités de peu de foi. Voilà pourquoi nous devons beaucoup suivre les choses de Dieu, les choses spirituelles. Ça va nous aider. Nous n'allons pas céder. Il y aura un moment, on va obliger les choses. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Comment nous devons, nous allons nous en sortir. Oh, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons devenir comme Étienne. Étienne était lapidé. Mais il a vu le ciel ouvert. Alléluia. Quand nous sommes remplis de Dieu et de Christ, nous pourrons supporter des choses pour ne pas tomber. Comme nous voyons dans l'ancien temps, comment ils ont brûlé les chrétiens. Ils ont tué les chrétiens. Nous devons nous préparer. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps durs pour nous les chrétiens. Nous devons nous préparer à ça. Alléluia. Le Seigneur Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peur de foi. Tu as peur d'aller à l'église. Et ils avaient peur parce qu'ils étaient vraiment en pleine mer. Ou tu es noir, ou mais tu as peur d'y aller à l'église. Parce que tu as peur de foi. Le Seigneur Jésus les a traités de peur de foi. Tout le monde qui ont peur d'y aller à l'église ou de faire comme ils faisaient avant, c'est les gens de peur de foi. Nous devons nous préparer dans la prière. Les apôtres étaient préparés dans la chambre haute. C'est pourquoi ils sont arrivés. Pierre, autrefois, renouait Christ. Mais cette fois-là, ce n'était plus les mêmes pierres. Il y a un prix à payer. Les choses de Dieu n'est pas gratuit. Les choses de Dieu sont dures. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus demandait à Pierre trois fois, m'aimes-tu? Il savait que ce n'était pas facile. Il savait qu'on ne pourrait pas arriver à ces choses sans demeurer. Pierre n'avait pas compris. Mais heureusement, ils avaient l'écoute et tout de suite, ils ont su. Ils ont écouté. Ils ont compris d'aller attendre dans la chambre haute. Nous devons demeurer dans la chambre haute. Parce qu'il y a des choses dures qui vont encore arriver. Les 31, j'ai parlé des choses. Je ne savais pas de quoi ce que je parlais. Je disais, nous devons demeurer. Nous devons enlever tout ce qui est distraction, tout ce qui est futilité. Parce que l'année 2020, il y aura 366 jours et il y aura 12 mois. Et combien de heures? Ça va être dur pour arriver jusqu'à la fin de l'année. Nous devons bien préparer, s'attacher à Christ afin que nous traversons toute l'année avec Christ. Et nous voici en juillet. Nous devons nous préparer. Alléluia. Ici, 2 Samuel 24. Le Seigneur envoie la peste. Alors le Seigneur adresse ses paroles au prophète Gad. Le conseiller de David va trouver David et dis-lui, de ma part, moi le Seigneur, je te demande de choisir entre trois choses, trois malheurs. Ici, c'est le Seigneur qui propose le malheur au roi David parce qu'il a péché.
Je t'enverrai celui que tu choisiras. Le matin suivant, David, quand David se lève, Gad va chez le roi pour lui faire connaître les paroles du Seigneur. Il lui dit, qu'est-ce que tu aimes mieux que ton pays connaisse cette année de famine que tu fuis pendant 3 mois devant tes ennemis qui te poursuivent. Là, Dieu propose à David, quel malheur veux-tu? Parce que je dois te punir. Parce que tu as péché. Dieu propose à David le malheur. Alléluia. Nous devons faire très attention. Quand il n'a pas péché, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais, il y a un mais. Et voilà pourquoi quand il y a un malheur, toi chrétien, tu dois tout de suite te repentir. Il est celui qui écoute les prières, qui pardonne. Si mon peuple, sur qui est déchroniqué, 7, 14 nous dit, il est prêt à te pardonner. Et le roi David, on lui propose 3 malheurs. Tu veux que ton pays connaisse 7 ans de malheur? Ou tu veux que tes ennemis te poursuivent 3 mois? Ou encore, une épidémie de peste attaque ton pays pendant 3 jours. Là, c'est Dieu qui propose. Quel malheur tu veux choisir? Il lui laisse le choix de choisir. Nous devons faire attention. Tous les malheurs ne viennent pas de Satan. Toi qui aimes combattre, toi qui aimes toujours chasser Satan, tu dois bien rentrer en toi, t'examiner, savoir qu'est-ce que je fais, comment je marche, qu'est-ce que je dis. Nous devons faire très attention. Tous les malheurs ne viennent pas de Satan. Là, c'est Dieu qui parle au roi David, l'homme selon son cœur. Il a péché. On ne peut pas coopérer avec Dieu. Dieu ne collabore pas avec les humains. Il est saint. Tu dois être juste devant Dieu. Réfléchis et dis-moi ce que tu dois répondre à celui qui m'a envoyé. Et David dit à Gad, j'ai une peur terrible, mais je préfère tomber entre les mains du Seigneur plutôt de tomber entre les mains de mes ennemis. En effet, le Seigneur, lui, est capable de pitié. Est capable de pitié. David, il savait, il connaissait. S'il s'humilie, son Dieu va lui pardonner. S'il se baisse en bas de la croix, son Dieu va lui pardonner. S'il pleure, et voilà pourquoi il pourrait dire, j'ai péché contre toi. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Ainsi, tu pourras me pardonner. Nous devons être sauvés. Nous ne devons pas être des chrétiens par les noms. Tu es un chrétien, les sorciers viennent, tu prends les noms chrétiens. Un chrétien, c'est une réalité. Un chrétien, c'est un phénomène. Un chrétien, c'est un dangereux. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit, tu seras en haut, jamais en bas. Tu seras le premier, jamais le dernier. Un chrétien a beaucoup de promesses qui viennent de Dieu. Nous devons nous humilier. Si tu as péché, repens-toi. Si tu t'es détourné du Seigneur, reviens
au Seigneur, afin qu'il te sauve. Nous avons vu à 2 Chroniques 7 et 14, il guérira aussi ton pays. Et à 15, il dit, mes yeux seront ouverts désormais, parce que toi, tu es revenu à Dieu. Alors Dieu va ouvrir de nouveau ses yeux pour te surveiller, pour prendre soin de toi. Et mes oreilles seront attentives à la prière qui sera faite en ce lieu. Nous devons faire très très attention. Et voilà pourquoi la Bible dit, sépare-toi de ces gens-là. Parce que tu peux prier, mais quand tu pries avec le méchant, ta prière peut passer pour un péché. Nous devons faire très très attention. La Bible nous parle beaucoup de choses. Oui. En ce lieu, nous devons vraiment connaître la volonté de Christ en nous. L'Apocalypse nous dit ici deux. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie. Mais elle ne veut pas. Elle veut continuer à se prostituer. Apocalypse 2, 21. Alors voilà, je vais la jeter sur un lit de souffrance. Tous les malheurs ne viennent pas des diables, ne viennent pas de Satan. Voilà pourquoi les chrétiens se trompent avec leurs faux prophéties. Partout, ils voient des sorciers. Dieu ici, c'est la Bible qui dit. Alors voilà, je vais la jeter sur un lit de souffrance avec ceux qui y ont commis l'adultère avec elle. Elle va beaucoup souffrir et les autres aussi. Parce que toi tu as souffert, parce que toi tu as péché, mais Dieu mélange tout le monde. Parce que là, c'est David qui a péché à 2 Samuel là-bas. Mais Dieu a tué plus de 5000 hommes à Jérusalem parce que David a péché. Nous devons faire très attention. Nous devons nous prosterner en bas de la croix. Nous devons être justes devant le Dieu juste. Il est Chikeno. C'est le juste juge. Ses oreilles n'attendent pas les prières des pécheurs. Dieu ne veut pas qu'une personne demeure avec le péché. Mais Dieu veut tous se convertir. Afin qu'ils sachent que lui, le Dieu, il est tellement saint. Il ne peut pas coopérer avec les méchants. Nous devons faire très attention, nous qui prétendons d'être chrétiens. Nos vies doivent se transformer à des chrétiens. Un chrétien, c'est un mode de vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a un nouveau habit. Comme l'Apocalypse nous dit, un habit blanc, un chrétien. Aujourd'hui, tout le monde sont chrétiens. Et voilà pourquoi le nom de Christ est blasphémé. Le binzam. Parce que toi, tu te prétends chrétien et tu as encore une robe noire que les gens qui n'ont pas les yeux ne voient pas. Alléluia. Ici, Apocalypse 2, 23. Je veux faire mourir ses enfants. Ainsi, toutes les églises le sauront. Je suis celui qui connaît les pensées et les désirs des êtres humains. Je rendrai à chacun de vous selon ce qu'il fait. Nous devons faire attention. Nous devons faire que du bien. Nous sommes condamnés à faire du bien. Même la Bible nous conseille de ne jamais mentir. La Bible nous conseille de bénir. Un chrétien doit toujours bénir. Bénir. Je veux faire mourir ses enfants ainsi que les églises sauront que je connais. Je suis celui qui connaît les pensées et les désirs des êtres humains. Je rendrai à chacun de vous selon ce qu'il
ce qu'il a fait. Et voilà pourquoi autrefois quand j'ai témoigné, j'ai dit, si j'avais commis l'iniquité, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Quand, nous devons vraiment nous repentir. Apocalypse 6, 8. J'ai regardé et voici parir un cheval, une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'éteignait la mort, s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre. Toi qui chasses toujours Satan, toi qui chasses toujours les esprits, le pouvoir les a été donnés pour attraper les méchants, pour attraper ceux qui ne marchent pas dans la voie de l'Éternel, pour attraper ceux qui font souffrir les autres. Apocalypse 6 et 8. Voilà pourquoi les vrais adorateurs sont là pour adorer Dieu. Tu combats à vain. Depuis que tu combats, tu n'as jamais eu de résultat. Depuis que tu combats, ça t'a mené à porter rien. Depuis que tu combats, il n'y a rien qui change. Apocalypse 6, 8, il nous dit, le pouvoir lui fuit, donné sur l'écart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Le pouvoir lui a été donné. Et voilà pourquoi Jésus dira, Père, j'ai protégé, j'ai veillé sur les âmes que tu m'as données. Je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour les âmes que tu m'as données. Nous devons faire très attention. Voilà pourquoi un vrai adorateur, car les jours que tu vas comprendre que tu deviens chrétien, tu vas voir, tu ne vas plus combattre. Tu vas adorer. Alléluia. Un vrai chrétien est là pour adorer. Un chrétien est là pour voir la grandeur, la bonté de Dieu. Un vrai chrétien, il ne combat plus. Non, 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 non. Il ne combat plus. Le pouvoir lui a été donné. Apocalypse 6, 8. J'ai regardé et voici apparaître un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur l'écart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Le pouvoir lui a été donné. Voilà pourquoi nous devons supplier Dieu. Un chrétien doit supplier et adorer. Nous sommes esclaves d'adorer Dieu. Dormir, c'est réveiller. Ce n'est pas les habitudes. C'est la grâce. Nous devons être des adorateurs. En se levant le matin, tu vois, ta femme est là. Ton mari est là. Tes enfants sont là. Tu dois adorer Dieu. Tu ne dois pas passer un chrétien à planifier son temps de prière. Il adore Dieu peu du temps. Et le reste, c'est le combat. Tu combats contre qui? Tu combats contre la personne qu'on a donnée. On a donné l'ordre d'aller faire mourir, d'aller faire périr, d'aller tuer. Le pouvoir lui a été donné. Apocalypse 6, 8. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt de supplier Dieu, de l'adorer. La Bible dit là où il est élevé, élevé, c'est l'absence totale de l'ennemi. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Psaume 91 nous dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes, sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Il est fidèle
à l'alliance. C'est l'homme qui change. Dieu n'a jamais changé. Nous devons nous revenir à Dieu. Tu ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Tu ne crains pas, parce que Dieu est avec toi. Je dois mettre, ça va se couper là. Ok. Dieu est avec toi. Nous devons nous revenir à Dieu. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Rien ne peut te toucher. Si tu vas te cacher sous les ailes de Dieu, tu es protégé. Pas que toi et ta famille. Nous devons revenir à Dieu. Job 5, 19 nous dit, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Parce que lui, il est ta demeure. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Se repose à l'ombre des Tout-Puissants. Nous devons nous tourner vers Dieu. Il est un refuge pour l'opprimé. Il est celui qui garde Israël. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Il est là pour veiller sur ta famille, sur tes enfants. Ici, à 2 Chroniques 7, il dit, désormais, je guérirai même son pays. Même son pays. Parce que tu t'es converti. Parce que tu t'es détourné du mal. Voilà pourquoi le roi David pourrait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Roi David connaissait son Dieu. Nous devons comprendre et connaître Dieu. Connaître sa profondeur, sa hauteur, sa grandeur. Nous devons comprendre Dieu pour être sauvés. Sinon, nous passons à côté. Le roi David connaissait ce Dieu. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Il est avec moi. C'était les paroles du roi David. Comment ça se fait-il? La Bible peut lui s'y nommer l'homme selon le cœur de Dieu. Il connaissait le secret de Dieu. Il savait comment toucher le cœur de Dieu. C'était un adorateur. Le roi David dansait pour son Dieu. Un roi. Mais il dansait. Quand il commençait à danser, il tournait même par terre pour son Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Psaume 27, 1. Le roi David, Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Pas de corona. Nous sommes des hypocrites. Nous avons des excuses à cause du corona. Et nous avons reçu un journal qui était bien marqué. Le corona, c'est une prophétie qui a été dite depuis 1855. Ils ont dit à l'année jumelle 2020, il y a une reine qui se nomme Corona va visiter la terre. Il va tuer beaucoup de monde. Et il va amener la crise mondiale. Ça a été prophétisé. Voilà pourquoi nous devons fermer des portes pour que l'ennemi n'aille pas l'accès. Quand l'ennemi vient, il trouve une porte et il rentre. Il va te saccager.
y a des malheurs, répands-toi. Tu ne dois pas attendre. Le roi David a péché, il péchait. Il a fait tuer son serviteur Uri. Il s'est repenti. Tu ne dois pas résister au péché. Quand il y a le péché, tu répands-toi. C'est la première démarche à faire. Et voilà pourquoi il a écrit beaucoup, beaucoup de psaumes. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. C'était pour les paroles du roi David. Il savait comment supplier son Dieu. L'homme est l'homme. Si nous disons que nous ne pouvons pas pécher, nous faisons mentir. Mais nous devons nous tourner vers Dieu. Le roi David, il connaissait son Dieu. Il savait comment prendre son Dieu. Le roi David, il savait. Pendant les jours, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Ni la lune pendant la nuit. Parce que tu marches avec celui qui garde Israël. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus dira à Marthe, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois seulement, Marthe. Crois. Crois seulement. Jésus leur dit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante, Pierre, tu vas me renouer. Nous devons faire très très attention. Devenir chrétien, c'est un contrat qu'on a signé. C'est une vie nouvelle qu'on a choisie. Nous avons déçu le diable. Nous l'avons déçu. Et lui, il a reçu le mandat d'aller tuer. Et la Bible dit, si tu le chasses, il rôde. Il rôde, hein? Il part pas. Il est en train de rôder. Nous, on oublie vite, lui, il n'oublie pas. C'est un esprit. Il est plus malin que nous. Il est là. Dès que tu ouvres une porte, il rentre pour te saccager. On dit qu'il vit avec les plus sept, les plus méchants. Pour te finir. Nous devons faire très attention. Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Je l'ai déjà rejeté. Depuis qu'on t'a connu chrétien, depuis qu'on t'a connu pasteur, les gens continuent à croire en toi. Comme les gens, ils sont tellement aveugles. Ils croient en toi. Or, le Seigneur t'a déjà rejeté. Tu es ôté. Tu es orgueilleux. Tu es égoïste. D'abord, c'est toi. Mais Dieu t'a rejeté. Dommage que les gens continuent à croire en toi. C'est par là où l'Éternel dira à Samuel, non, ne considère pas tout ça. Je l'ai déjà rejeté. Moi, l'Éternel, je ne considère pas comme vous vous considérez. Moi, Dieu, je considère, je sais lire le cœur d'une personne. Nous devons faire très, très attention. Nous devons faire très, très attention. Nous devons faire très attention. Il nous jugera par nos œuvres. Oui. La Bible dit, le juste prospérera, car il jouira des fruits de ses mains. Tu fais le mal, jamais tu peux récolter le bien. Non, tu fais le mal, tu dois récolter le mal. Galates 6, 5 nous dit, chacun portera son propre fardeau. Nous devons faire très très attention. Donc, et si vous invoquez mon Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes
comme des passagers. Conduisez-vous avec crainte. Tu peux nous mentir. Tu peux mentir tes fidèles. Tu peux mentir ton pasteur. Tu peux mentir ton église. Tu peux mentir les gens que vous priez ensemble. Mais à Dieu, on ne peut pas mentir. Il est celui qui lit le cœur, les pensées. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes que des passagers. Il est allé préparer une place pour venir nous chercher. Nous devons être parmi les cinq sages. Nous ne devons pas être parmi les cinq folles. Ça va être grave, grave. Et les gens qui vont rester, ils vont rester dans les tourments. Et voilà pourquoi nous, Église, nous devons nous préparer pour ces grands événements. Toutes les choses sont visibles. Bientôt Jésus revient. La parole a été prêchée partout. La parole a été prêchée partout. Dans toute la création. C'était la mission de Christ. C'était sa volonté. C'était son but. Celui qui n'a pas entendu de Christ, il s'est fait menteur. Et tous les signes sont visibles. Matthieu 24 nous a donné des signes. Quand vous verrez ça, sachez, dans le temps de Pierre, et ils attendaient aussi ces grands jours. Mais ça ne pourrait pas arriver. Pourquoi? Parce que la parole n'était pas encore prêchée. Quand Paul, quand il était en prison, il commençait à avoir peur. Mais le Seigneur Jésus envoie l'ange pour lui dire, n'aie pas peur d'eux, tu dois arriver à Rome. Parce qu'il y a beaucoup de mes enfants qui sont là-bas, qui n'ont pas encore entendu parler de moi. Donc la mission a été faite. La parole a été prêchée. Nous devons nous préparer pour ces grands événements. Nous devons nous habiller à une robe blanche. Ils viendront chercher une église sans tache ni ride. Ces jours-là, ça sera merveilleux pour tous ceux qui vont être là. Mais lui-même, comme il était prophète, il a dit, mais quand je viendrai, trouverai les gens de la foi. Il a dit encore, ça sera comme dans les temps de Noé et dans les temps de Lot. Je crains qu'on fasse tout ça pour rien. Nous devons faire très très attention. Lui, il était prophète. Tout ce qu'il a dit, il le sait pourquoi il a dit. Et à la fin, pour finir, l'Apocalypse 2:7 nous dit, c'est lui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'était le message. Nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Jésus revient bientôt. Et nous devons être parmi les sages. C'est un devoir que nous avons à faire. Et nous devons vraiment nous préparer afin de rencontrer l'époux. Car bientôt, Jésus revient. Je vais voir à 11 ici, qu'est-ce qu'il nous dit. Ouais. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Je m'arrête là. C'était pour réveiller, fortifier, encourager. C'est le temps de ne plus prêcher la bénédiction. Non. Toi qui es là seulement pour chasser les démons tous les jours. Je t'ai expliqué là. Ne faut pas être ignorant. Apocalypse 6, 8. J'ai regardé et voici paraît un cheval d'une couleur pâle. Celui qui
les montées se nommaient la mort. Et le jour de... Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné à l'écart de la terre. Même quand tu chasses les démons là, il te connaît, tu n'auras pas l'effet sur lui. La Bible nous explique les fils, les sept filles de Tchéva. Et ils ont voulu faire comme Pierre, comme Paul. Ils ont vu comment Paul avait fait des démonstrations. Les gens étaient guéris. Les morts se sont réveillés. Et ils voulaient aussi faire comme Paul. Mais la Bible dit qu'ils étaient frappés par les démons. Et les démons leur disent, on connaît Jésus de Nazareth. On connaît Paul. Mais vous, de quel droit, de quel pouvoir, vous voulez nous déloger? Et nous devons rester spirituels pour rentrer, pour avoir part, pour profiter de la chrétienté. Soyez bénis, soyez bénis. C'était la parole. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans mon téléphone. Je ne vois plus les gens, mais on va prier pour la parole. C'était une parole pour édifier une personne. Quand la paix est installée, tu dois chercher la face de Dieu. Ou tu dois te repentir, ou tu dois chercher la face de Dieu. Pierre devait rentrer dans la chambre haute pour enlever la pierre, la paix. Soyons bénis, nous allons prier pour la parole. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux que tu nous as permis de parler de ce fin de temps. Parce que tu sais comment se prépare ton église. Parce que tu es celui qui nous a timé. Tu veux que nous soyons là en ces grands jours de ton avenir. Tu veux rencontrer ton épouse. Voilà pourquoi tu envoies des messages pour fortifier, pour réveiller, pour corriger ton église. Car tu veux que nous soyons là. Tu es tellement fidèle à l'Alliance. Nous te disons merci pour la parole édifiante. Nous te disons merci, la Bible dit. Tu es derrière ta parole et pour l'accompagner. Tu n'envoies jamais ta parole sans produire les effets. Laisse que cette parole produise. Laisse que cette parole convertisse une personne. Laisse que cette parole fasse tomber les écailles d'une personne. Laisse que cette parole réveille, redonne la force à celui qui a été fatigué, découragé. Que cette parole touche une personne qui a la peur en lui. Qu'il comprend que c'est toi qui sauves, c'est toi qui gardes Israël. Et que c'est toi qui as donné le pouvoir de l'ange de la mort aille tuer à l'écart du monde. Seigneur, merci de nous enseigner ça, pour nous réveiller, afin que nous sachions que toi seul es Dieu, afin que nous comprenions que toi seul es le Sauveur. La Bible dit ici, nous gardons nos enfants, nos maisons, mais si toi tu ne gardes pas, nous gardons en vain. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ta bienveillance, nous te disons merci pour ton alliance, pour ta fidélité, pour ton amour infini. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus de nous préserver du mal. De nous préserver contre toute attaque de l'ennemi. Nous nous confions à toi. Nous croyons fermement à ta bonté. Seigneur, ne nous laisse pas. Si tu nous laisses, qui prendra soin de ton église, Jésus? Voilà pourquoi nous te supplions, Dieu, de déverser grâce et miséricorde sur tes enfants. Il n'y a que toi qui peux agir. Il n'y a que toi qui peux nous donner le courage que nous avons perdu. Il n'y a que toi qui peux soutenir ton église. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Il n'y a que toi qui peux changer l'histoire de tes enfants. C'est toi qui as fermé Pierre, qui était péré autrefois.
Tu lui as donné la force qui l'a fait jusqu'à la mort. Nous te le demandons au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout et en tout. Merci de réveiller tes enfants. Merci de leur redonner la force, de leur redonner du courage. Nous te disons merci pour tout et en tout. Seigneur, je te confie notre week-end. Je te confie la journée de demain. Donnez-nous la force. La Bible dit, nous marcherons sur les serpents et les cobras. Rien ne nous nuira, rien, rien. Alléluia. La Bible dit, même si 10 000 tombent à notre côté et l'autre à l'autre côté, nous ne serons jamais atteints parce que nous sommes branchés à l'arbre qui est toi. Merci de nous protéger. Le piège du loiseleur, merci de nous protéger de toute attaque de l'ennemi. Merci de nous protéger de toute vent, de toute terreur, de toute peste. Nous confions à toi. Tout notre espoir est en toi, Jésus. Voilà pourquoi je te confie des âmes. Seigneur, étends ta main de puissance et de miracle. Tu es au-dessus de toute puissance. Voilà pourquoi nous te prions. Voilà pourquoi nous t'aimons. Voilà pourquoi nous appuyons sur toi. Tu es la force idéale. Merci encore, nous te confions notre nuit. La Bible dit, tu ne dors ni le sommeil. Tu es là pour garder Israël. Garde-nous pendant notre sommeil. Garde-nous, Seigneur, ne permets pas à l'ennemi de troubler notre sommeil. Que notre sommeil soit paisible comme tu nous les as promis. Nous te disons merci, Jésus. Si tu ne viens pas cette nuit, demain nous allons nous retrouver à l'église. Merci Jésus. Pour tout et à tout, laisse que ta bénédiction nous accompagne. Laisse que ta faveur, ta grâce soit sur nous. La bénédiction que tu as demandé à Ézéchias de prophétiser sur les ossements séchés qui étaient ton peuple israélien. Je prophétise la vie. Je prophétise Yendabasata, la paix. Je prophétise la prospérité. Je prophétise les ailes qu'on n'a jamais vues. Je prophétise la grâce. Merci Jésus pour la force que tu nous as promis. La force et le bif. Merci de nous donner. Je te confie tout et en tout. Nous nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc je ne peux pas dire bonjour ou merci parce que on ne voit plus les noms défiler dans ce téléphone ici. Je vois Lucé. Lucieko Tchumbi, c'est tout ce que je vois. Donc, si on ne clique pas, on ne peut pas vous voir. Et je bénis tout et chacun de nous de toute façon. Quand il y a un message fort, et les gens sont moins intéressés. Et voilà pourquoi je bénis tout et chacun de nous. Bye bye, nous allons nous revoir et pendant la semaine, si Dieu le veut. Et bye bye, bon week-end et soyons zélés pour Christ, soyons zélés, bye bye.